Le standard, aussi appelé le type 2. Alors depuis toujours à Magic, il y a eu un format qui nous permet de jouer avec les extensions les plus récentes, les cartes les plus récentes. On peut voir ça comme un moyen efficace de vendre des cartes, mais on peut aussi voir ça comme un moyen absolument génial d'avoir un jeu qui se renouvelle en permanence. Donc ça change un petit peu en ce moment, puisque avant on avait systématiquement des blocs, comme on les appelait, de trois extensions. Donc on avait une grosse extension, par exemple les Khans de Tarkir, et deux petites extensions qui allaient avec le Destin Forgé et les Dragons de Tarkir. Alors que maintenant, les blocs, depuis la bataille de Zendikar, sont composés de deux extensions. Donc pour le bloc de la bataille de Zendikar, on a la grande extension Bataille de Zendikar et le Serment des Sentinelles. Et donc, le standard permettra de jouer avec les trois derniers blocs, comme vous pouvez le voir sur le schéma en dessous. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'un nouveau bloc sort, par exemple ici quand le vert est arrivé, il a poussé le violet hors du standard. Quand la deuxième partie du bloc sort, rien ne se passe, on a juste une extension en plus avec laquelle jouer, etc., etc., etc. En général, en standard, on n'a pas de carte bannie. Il y a eu des exceptions, mais en règle générale, on y en a très très rarement. Un jeu doit faire 60 cartes, au minimum. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans à partir du moment où vous considérez que ce jeu sera jouable. La moyenne, c'est environ 24 terrains et le reste en sort, etc. Mais le minimum étant 60 cartes.